Eh bien, salut tout le monde, c'est le Fugitif 91, j'espère que vous allez bien. Et aujourd'hui, on va se retrouver donc sur la petite suite de mon let's play sur Deus Ex Mankind Divide. Et donc, je vais continuer là où je m'étais arrêté la dernière fois. Donc, j'étais dans les locaux de... Oula. J'étais dans les locaux de... La police sera pas contente tant qu'elle aura pas arrêté de l'os. Eh merde. Donc, dans les locaux de la CDA. Donc, je vais devoir essayer de m'infiltrer sans me faire griller... Toi, mon gars, tu vas pas t'en sortir vivant. Voilà, tu dégages. Hop là. Hop là, voilà, c'est parfait. Donc, qu'est-ce que tu as à me dire? Oh. Oh non, attends, tu vas pas me faire ça, là. Qu'est-ce que je pourrais liquer? De la boisson? De la reposine? C'est quoi? Oh, système laser. Examiner. Déplacer, combiner, voilà. Ok, donc je vais mettre ça sur mon petit pistolet. Parce que je trouve ça plutôt cool, voilà. Du coup, je vais pouvoir prendre la grenade fumigène. Qui pourrait m'être très utile, on sait jamais. Ok, alors attendez, où est-ce qu'il faut que j'aille? C'est juste en dessous de moi. Oula. Quoi, comment ça? Mais non, y'a personne. Est-ce qu'elle va monter ou pas? Attends, mais en plus, ils sont plusieurs à venir, ces enfoirés. Est-ce que je pourrais peut-être trouver des tuyaux ou... Genre un conduit qui pourrait m'emmener là-bas. Attends, y'a quoi par là? Oh, y'a un trou là. Ça m'emmènerait où ce truc là? Je vais y aller, on va savoir ce que c'est. Ah ok, parfait, ça m'emmène là-dedans. Alors je vais aller regarder ça, toc. Fusil à pompe, ça m'intéresse pas. La liqueur de prune, c'est fini. T'as pas pu lire un email de ta femme l'autre jour? Si, elle m'en envoie un tous les dimanches, et je lui réponds. Tout se passe bien pour mes fils dans leur nouvelle école. Personne sait que leur père est augmenté. Quand elle te demande comment ça va, tu lui racontes un peu ce qui se passe? Avant, je lui disais que c'était difficile, mais on faisait des progrès. Mais ça fait un moment qu'elle m'a pas posé la question. Par où est-ce que je pourrais passer? Attendez, j'ai vu un truc intéressant, là, j'ai pu voir quelque chose ici. Voilà, c'est bien ce que je pensais. Alors lui, il va falloir que je le neutralise vite fait. Voilà, parfait. Parfait. Oula. Merde, viens avec moi. Oh non. Hé, hey, tu vas bien? Mais non, y'a personne. Je t'ai dit, y'a personne. Voilà, maintenant, vous venez avec moi, je vais vous cacher. Ah, je t'ai dit, je vais vous cacher. Voilà. Oh merde! Oh bordel! Mais qu'est-ce qu'il fait là, lui? Bon, dans un sens, je suis en train d'assommer tout le monde, hein. Je suis en train de tuer personne. Viens par là, toi, et je te... Hop là. Raté. Oh, merde. Alors, attendez, je vais regarder ce qu'ils ont. Toc, toc, ok. Donc là, je vois que j'ai été repéré un petit peu. Et merde. Hop là, viens par là, toi, ma grosse. Putain, j'ai plus de... Non, fais chier. J'ai plus de trucs électriques. Oh là là. Vas-y, ramène tes grosses fesses, là. Boum.
Voilà, tu dégages. Je suis en train de faire n'importe quoi là. Ok, hop. Parfait. Ah, moi qui voulais être super discret, me faufiler et tout. Cool. Oh merde. Où est-ce que je pourrais désactiver? Oh merde, il y en a un qui arrive encore. C'est pas cool. Oh, c'est quoi ça? Ils ont envoyé une fumée? C'est génial, ça vient là. Ok, ça c'est parfait, j'en ai neutralisé un. Donc du coup, j'ai pris une compétence pour avoir un peu plus de... Enfin, que ça se recharge beaucoup plus vite, mais... Mes compétences, alors attendez, on va fermer cette porte. Voilà, est-ce qu'il y a moyen de fermer cette porte? Non, de la fermer. Attends, c'est quoi ça? D'où est-ce que tu sors, toi? Oh là 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 là, dégage, allez hop. Bon, au moins, le truc qui est nickel, c'est que je suis en train d'assommer tout le monde. Oh merde, et maintenant il y en a un autre qui arrive. C'est pas grave, j'ai rechargé ma compétence. Voilà, progression à la recherche, c'est parfait. Il est en train de descendre en fait. Ok, d'accord, je le vois. Je le vois un tout petit peu, mais je le vois. Qu'est-ce qu'il fait? Il est en train de venir, c'est ça? Ils vont pas tarder à retourner dans leur... à leur progression, enfin leur... leur truc au départ. Là, j'ai vraiment pas avancé, quoi. C'est moche. Voilà, ferme-toi. Pas besoin d'autres surprises aujourd'hui. Parfait. On va avancer un petit peu. Oh merde, merde, merde. Oh bah ça c'est parfait ça. Qu'est-ce qu'il fait avec la caméra? Oh! C'est parfait ça, voilà, je peux passer par les conduits. Ok, je suis en train de m'infiltrer pour aller voir le commandant en chef. Hop. Je vois qu'il y a une personne ici. Attendez, je vais en envoyer une deuxième. Ok, il est pas tout seul. Chicken, tu m'entends? J'ai passé le quartier d'habitation. Je suis maintenant dans ce qui ressemble à une sorte de zone d'opération. À mon avis, la planque de Rucker est quelque part en surplomb. Dans un endroit facile à défendre. Alors, trouve-toi un ascenseur, je te ferai suivre les coordonnées d'extraction dès que je les aurai. Ok, d'accord. Alors, attendez, je crois que je dois avoir quelques munitions de... fusil sniper, on va recharger. Oh oh. Sors de ton trou, qu'on discute un peu. T'es sûr? Voilà, je suis sorti de mon trou. Moi, c'est comme ça que je discute. Mais non, c'est pas ça que je veux. Viens par là, toi. Parfait, ça. Attends, ils sont sur leur... ils sont sur le qui-vive, là, on dirait. Hein. Attendez, je regarde s'il n'y a pas une autre personne. Ah, il y en a encore beaucoup. Alors, attendez. Putain, mais il est passé où? Et malheureusement, ça voit à travers... On est là. Oh. Qu'est-ce que je pourrais faire? Une petite grenade... fumigène, au pire. Attendez, déjà, ce que je vais faire... C'est que je vais attendre qu'elle se barre, l'autre là-bas au bout. Et toi, je t'enverrai une fléchette. Ah non, c'est pas là que je voulais que t'ailles. Évident de savoir ce qui est pas normal comme bruit.
Ouf. Ça, c'est du GG, ça. Ça, c'est du GG. Ok, il y en a encore deux autres là-bas, vous. Toi, viens là, ma grosse. Je veux surtout pas qu'il te voie. Hop là, je les balance comme des chiennes, tu sais. Hop là. Alors, petit fusil de combat, ça passe tout seul. Ah bah ça va en fait, c'était l'autre côté du mur, donc en fait ça risque rien. On va recharger. Si bon, on va essayer de s'infiltrer. Tu crois que Talos laisserait faire ça? Probablement pas, non. Mais t'as jamais l'impression que quelqu'un d'autre s'amuse à tirer les ficelles dans le coin? Faut que tu te reposes, mec. Tu deviens parano. Ok, je m'en suis douté qu'ils allaient se barrer, je sais pas pourquoi. Attendez, on va essayer de voir si je peux... Attendez, c'est quoi ça? Oh, c'est parfait, ça. Opération, okay. Ça, c'est parfait. On est tous liés. Maintenant et à jamais. On va aller voir si je peux lui tirer une balle. J'ai perdu d'avance si les gens croient que... Viens par là, toi. Ok, c'est par ici. Parfait. Personne n'a vu qu'elle dormait là. Oh, salut, un gun. Qu'est-ce que c'est que ça? Ça peut être très utile. Du coup... Est-ce que je peux réussir à m'infiltrer encore? Tac tac tac, voilà. Putain, il y en a deux ici. Il y a le poste de garde là. Attendez, je vais regarder un peu la carte. En haut, c'est en haut en fait. J'ai peur qu'on puisse jamais les faire changer d'avis sur nous. Oh oh. Ok, ça c'est là-haut. Je vais aller regarder si je peux me... Ouh là là. C'est qui me grille là maintenant? C'est probablement c'est lui. Un fanatique religieux qui a fait sauter la gare. Ah, ça va être chaud! C'est chaud du ouf! Et puis j'ai pas encore l'évolution de l'invisibilité, attendez. Est-ce que l'invisibilité fait partie du... des compétences de merde là? Concentration... vitesse accrue, d'accord, ok, alors l'invisibilité, c'est où? C'est celui-là? Camouflage, ah bah voilà, c'est ça qui m'aurait fallu, putain de merde. Ok, bon, je suis un peu dans la melde. Ça fait que les encourager à les détester. Malheureusement, lui, il peut me griller. Je regarde s'il n'y a pas des endroits pour passer. Peut-être par là, non? Attendez, je vois qu'il y a un truc ici, j'ai pas vu. Voilà, peut-être qu'il y a un petit trou ou quoi. Oh, bah voilà. Parfait, j'ai bien fait de regarder la carte. Oula, 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 caméra. Tu ne m'as pas vu, madame, laissez-moi tranquille. Voilà, c'est bien, repartez. Nickel. Nickel chrome. Oula. Oh, je sais pas pourquoi je m'en suis douté qu'il y aurait quelqu'un ici. Je le sentais, quoi. Oh merde, merde, merde. Ça c'est bon. Il faut que j'aille là-bas au bout. Est-ce que je peux passer par là? Oui, je peux passer par là. Allez, retourne-toi, là. Nickel. Oh, merde. Faut que je déverrouille ça, putain, vite. Hop. Allez, allez, allez. Oui, c'est bon, parfait.
Et là, il y a personne normalement ici. C'est bien ça. Nous y sommes presque à cet ascenseur. Donc là, je vois, il y a un mec en face. C'est le mec de tout à l'heure, ça, en fait. Donc là, il y a les lasers. Alors, on va essayer de voir si je peux passer par là. Ouais, en gros, je passe devant. Attendez, non, je crois qu'il y a personne ici. Ah, il y a moyen qu'il y ait un petit trou ici, je pense. Fais chier. Et je vois pas son crâne. J'ai peur qu'on puisse jamais les faire changer d'avis sur nous. Attendez, faut que j'essaie de me... Talos devrait s'exprimer en direct. Ah non, 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 oui, oh, 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 j'ai eu chaud. J'ai failli ne pas avoir tout ce qu'il fallait. Oh là là. Ok, toi maintenant. Tu regardes comment? Tu regardes comme ça. J'attends que ce soit bon. Chut, comme tu dis, ouais. Chut. Ok, on y est presque. Ok, on va pouvoir passer par là et aller jusqu'à l'ascenseur. À moins que j'y suis, là, non, c'est ça? Ouh, une tourelle, elle est pas contente, la tourelle. Attendez, je regarde s'il y a rien pour passer. Non, il y a rien pour passer. Une tourelle, plus le truc là-bas. Oh, je suis en bonne infiltration, là, je suis fier de moi, quand même. Oh 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 oh. Je suis pas... Ok, alors le mec il avance, c'est bien ce que je pensais. Il peut me voir par la fenêtre pour loin que je pirate le bordel. Allez, dégage. Bouge-toi de là, nickel, parfait. Chicken. J'arrive à l'endroit où se trouve Rucker. Tu me transmets les coordonnées. Ok, je te les envoie dès que c'est fini. Tu ferais mieux de te concentrer sur ta mission et fais gaffe, ces mecs sont dangereux. Par où est l'entrée? Qu'est-ce qui se passe là? Moi je veux mon fusil là, ça se passe quoi là? Ah, il faut que je l'interroge. Ah, ça y est, je suis devant lui. Mais normalement, il devrait rien me dire, je pense. Bonjour, monsieur. Je n'ai pas d'armes. J'espère que vous m'en voudrez pas si je vous crois pas sur parole. En tant que condamné à mort, j'aimerais formuler une dernière requête, s'il vous plaît, épargnez mes partisans en repartant. Leur seul crime en ce monde est de m'être totalement dévoué. Vous n'avez pas l'air surpris de me voir. En effet. Après l'attentat de la gare, je savais qu'il ne tarderait pas à envoyer quelqu'un me trouver. Tenez, un siège. C'est pas une visite de courtoisie, Rucker. Je suis venu vous arrêter. Notre mission est de militer pour les droits des augmentés. De diffuser notre message et d'offrir notre aide. La CDA est une organisation non violente. D'accord, on va voir ça, oui. Bien, alors ça devrait être rapide. Vous venez avec moi, vous répondez à nos questions et on vous ramène ici à temps pour filmer votre prochain sermon. Je ne suis pas stupide. Si je me rends maintenant, je ne reviendrai jamais. Une fois que vous me tiendrez, vous me ferez disparaître. Mais je ne ferai pas la même erreur que Solzhenitsyn. Mes partisans et moi, nous vous résisterons. Je croyais que vous étiez pacifiste. Je le suis. Mais je suis plus qu'un leader. Je suis un symbole. C'est pour ça que vous voulez me voir disparaître. Si devenir un martyr est le seul moyen de rester un symbole, alors je préfère encore mourir plutôt que de me volatiliser. Vous avez dit que vous ne vouliez pas qu'il y ait d'autres victimes parmi vos partisans.
mais si je dois vous emmener de force, je le ferai. Et vos partisans essaieront de m'arrêter. Si vous voulez vraiment éviter un carnage, suivez-moi de votre plein gré. Vous avez ma parole. Je ferai tout ce que je peux pour que vous soyez traités équitablement. Comment osez-vous me parler de paix et d'équité? Vous vous en êtes pris à des innocents pour vous introduire ici et me kidnapper, alors que ceux qui vous envoient se cachent dans l'ombre pour mieux manipuler, contrôler et assassiner, sans jamais avoir le courage d'assumer leurs opinions face au reste du monde. Ok, alors attendez, là c'est du bétain. Ok, cours descendant, je vous parie pour la frangeuse, d'accord, d'accord. Alors, je sais que j'ai vu qu'il y avait plusieurs alphas qui ont clignoté. Alors, je vais voir si ça a quelque chose à voir avec ça ou pas. Vous n'êtes pas voir. Très différent, Rucker. Comme vous vous reposez sur des hommes armés pendant que vous débitez vos discours bien tranquilles devant votre caméra. Si vous voulez montrer la force de vos convictions, affrontez vos ennemis face à face. Ma foi. Vous n'êtes finalement pas la brute sans cervelle que je pensais. C'est tellement rafraîchissant de voir s'exprimer une telle passion et un tel idéalisme chez d'autres, surtout après ce que j'ai traversé ces derniers temps. J'ai été patient et compréhensif. J'ai enseigné à mes partisans la non-violence et j'ai attendu que le reste du monde prenne exemple sur nous. J'avais foi en l'humanité, et l'humanité m'a trahi. Alors, état d'étendue contracté, décontracté. Alors, j'ai vu qu'il y avait deux Oméga. Oméga, c'est quoi? C'est condescendant, donc c'est celle-là. Donc, on va voir si c'est ça. Écoutez bien un peu. L'histoire l'a prouvé, le temps du chaos, des terreurs, les gens se mettent toujours à la difficulté. Avant de dire d'ici, vous aurez la... On va voir ce que c'est, si c'est ça ou pas. L'histoire l'a prouvé, en temps de chaos et de terreur, les gens se mettent toujours à discriminer. Avant de décider d'incarner la cause... Vous auriez dû vous assurer que vous aviez la carrure pour le rôle. Mais je le pensais. Je pensais y arriver. Bon sang, il fallait bien que quelqu'un se dévoue. Oh. Le mouvement arrive à un tournant de son existence. Ces attentats sont venus tout compliqués pour la CDA. Et ma position de leader au sein de l'organisation est menacée. Je pense que tout est étroitement lié. S'il vous plaît. Retournez voir ceux qui vous envoient et dites-leur de m'accorder 48 heures pour que j'aie le temps de résoudre ce conflit interne. 48 heures, d'accord. Par contre, là, j'ai vu un alpha, mais... Péché. Alors, je suis désolé si je reviens bredouille. Ils enverront quelqu'un d'autre à ma place, sûrement quelqu'un de plus cruel et de moins compatissant. Vous devriez me suivre, c'est le mieux à faire. Et vous... et pour tout le monde, d'accord. Ça c'est de l'homme. Alors vous ne vous en rendez pas compte, mais je vous rends service à vous et à la cause. Tant que vous restez cloîtré ici, les anti-augmentations continueront à faire de vous l'incarnation du mal. Si vous avez des dissensions internes à cause de terrorisme, montrez votre force de caractère à la CDA et au reste du monde, vous rentrez de votre plein gré. Ne démordez pas de vos convictions en changeant d'avis. Alors, on va mettre si vous avez des dissensions internes à cause du terrorisme, montrez votre force de caractère à la CDA et au reste du monde, en vous rendant de votre plein gré. Ne démordez pas de vos convictions, et les gens changeront d'avis. Mais les conspirateurs tapis dans l'ombre, ceux qui tirent vos ficelles et celles de bien d'autres, ils ne changeront jamais d'avis. Vous comprenez tout ce que ça entraîne. Si vous me forcez à vous suivre, vous serez non seulement responsable de ma mort, mais aussi de ma destruction. De la dissolution de la coalition pour les droits des augmentés, et de la perversion de tout ce pourquoi nous nous sommes battus. Donc j'ai vu 3 alpha et 2 oméga. Donc ça... Ok, alors justifié. Alors je vois que vous avez le sens du drame, la cause contre des millions de partisans dans le monde. Elle ne se limite pas à vous, vous avez tellement peur de mourir, personne ne prendrait le risque de faire ça pour vous. Ok, alors vous devrez enlever vos oreilles... Quoi ? Alors, vous devez enlever vos oreilles, Rekun. Vous voulez que les augmentés soient vus comme des individus et des pacifistes, mais vous avez réalisé que je suis un augmenté, moi aussi. S'ils veulent vous tuer, il faudra d'abord qu'ils s'occupent de moi.
Ok, ouais, non, ça pue pas, ça pue un petit peu ce truc. Ça n'en change pas grand chose. Si vous me suiviez de votre plein gré, il ne leur sera fait aucun mal. Si vous en dites, c'est à vous de décider. Choisissez de ne pas revisiter ou trahissez, ou bien si vous. Ça change pas grand chose. Si vous me suivez de votre plein gré, il ne leur sera fait aucun mal. À vous de décider. Choisissez de ne pas résister, ou bien c'est vous qui trahirez la cause. Non. Je refuse de voir encore des gens mourir. Surtout par ma faute. Vous m'avez dit de vous faire confiance, alors... Je vais le faire. Oh. Avant qu'on parte d'ici, j'aimerais vous montrer quelque chose. Je soupçonne la montée d'un courant contestataire au sein de notre organisation. Certains des militants de la CDA sont moins... attachés à nos valeurs. Vous êtes en train de me dire que vous savez qui a commandité les attentats ? Je n'ai aucune certitude, et mes soupçons ne sont que très récents. Wow. Je n'ai encore réuni que très peu de preuves pour le moment, mais je vous les confie. Oh génial, bien joué ça. Aussi, la clé de la porte de ma salle sécurisée. C'est là que vous les trouverez. Pourquoi me les donner ? Pourquoi ne pas les garder pour les présenter à votre interrogatoire ? Parce que si mes soupçons sont fondés, et qu'on me voit sortir d'ici avec vous, de mon plein gré, je ne vivrai pas assez longtemps pour le faire. Je crois que j'ai fait le truc de ouf. Je crois que j'ai tout réussi. J'ai réussi à décrocher des preuves. Caché au grand jour, se cache le vrai terroriste. J'ai essayé discrètement de découvrir le responsable. Oula, il se passe quoi, là ? Broker. Oula, il se passe quoi, là ? Oh, merde ! Oh, la vache. Mais qu'est-ce qui lui arrive à ce mec ? Je t'expliquerai dès qu'on se retrouve. Rappelle-moi où c'est. Ok, donc on va aller pouvoir fouiller ce petit truc. Tralala. Donc ça, on va aller regarder. Hop, hop. Attendez, tu sais quoi, je vais pas me prendre la tête. Je sais que j'ai un outil pour pirater, hein, utiliser. Je m'en sers jamais. On va pirater comme ça. Oh, par contre, là, le bordel, il me plaît bien, ce fusil, là. Oh, c'est quoi ce fusil d'ouf, là? T'es con ou quoi? J'ai dit déverrouiller. Voilà, nickel. Alors, qu'est-ce qu'il y a là-dedans, du coup? Un truc... de l'élément à vendre. Ah, de la neuropoisine, ça, c'est cool. Un fusil sniper. On allume la radio, tac, tac. Destination inconnue. Expéditeur inconnu. Ok, voilà, j'ai ramassé les preuves. Je viens de voir que j'avais ramassé les preuves. Ok, ça, c'est cool. Et ça, c'est cool. Bon ben voilà, j'ai tout piraté, on va pouvoir se barrer. Y'a quoi là-dedans? Cool! Grenade à gaz, ah, ça paraît contre, ça peut être carrément utile. À la place de ce truc. Je préfère la grenade à gaz que la mine quand même. Attendez, parce que là j'ai un problème. Y'a quoi là-dessus? Y'a pas des trucs intéressants là-dedans? Je vous en prie. Je vous demande de ne pas le faire. Oh, attendez, je peux sortir par là. Ça ne servirait qu'à leur donner des arguments de plus. Attendez, c'est quoi? Je vais faire un truc, j'ai vu que j'avais deux points de compétence, je vais mettre l'invisibilité. Voilà. Je sais, j'ai beaucoup vous demander. Vous déposez les armes. Je vois que j'ai un mec juste là, là. C'était quoi, ça? Ok, alors attendez, je vois qu'il m'a localisé, on va passer par ici. Oh, dis-moi que tu m'as pas vu. Parfait, vas-y, c'est bon, je me casse. Oula, 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 ça craint, ça craint. Ouais, ok, je vois deux mecs ici, est-ce que je peux réussir à sauter ici?
Oula. Ah mais ça va, tout le monde qui y a, quoi. Attendez, je vais faire un truc. Hop. Oh, nickel, j'ai réussi à me faufiler, tel un espion. Oh, et en plus, je découvre un petit fusil. Si ça, c'est pas beau, ça, quand même, ce truc de ouf. Oula, alors, attendez, je vois deux soldats ici. Est-ce qu'ils auront une vue pour me voir? Voilà. Je suppose, et j'en suis quasiment sûr, que si j'active ce bouton... Oh, j'en étais sûr qu'ils me verraient, ces bâtards. Vas-y, ouvre-moi ce... C'est quoi cette porte qui s'ouvre doucement, là? Mange ton cul, bordel! Allez, dépêche-toi! Hop, et hop. Ouf, oh là là, ça utilise tellement vite l'invisibilité, par contre. Ok, donc là, je crois que j'y suis presque. Ah oui, voilà, c'est en face. Wow. Ah voilà, c'est par ici. Ok, ça c'est... Oh, ça c'est cool, ça. Genre, ils ont su que j'étais là, là. C'est quoi cette carotte? Bizarrement, ils savent que je suis là, quoi. Il a l'air sympa, celui-là. Genre, il lui a fait un petit sourire, tu sais. Ouais, plaisir, ça, t'as vu, quoi. J'adore cette musique de ouf, là, complètement épique. Bon sang, Jensen. Vous croyez vraiment que ça arrange nos affaires que Rucker soit mort? Vos ordres étaient de le ramener. C'est ce que je voulais faire. Alors comment c'est arrivé? Oh, alors attendez. Écoutez, Rucker était convaincu qu'on voulait le faire disparaître. Au lieu de lancer des accusations, essayez de le découvrir ce qu'il a fait. C'est à vous de me le dire, parce que j'ai l'impression que vous cherchez à me piéger. Je crois qu'il a quelqu'un... quelqu'un dans son équipe. Ok, je vais mettre ça plutôt. Je crois que quelqu'un payé pour manipuler la CDA l'a tué. Quelqu'un de son équipe. Rucker m'a dit que la CDA n'est qu'un bouc émissaire. Que les vrais coupables sont cachés au grand jour. Et sinon, il portait un petit chapeau en alu quand il t'a dit ça? Rucker était prêt à tout pour rapprocher les augmentés des organiques. Il savait que chacune de ses attaques ne faisait qu'enfoncer le couteau, et que la seule façon de régler le problème serait de le retirer complètement. Il disait avoir la preuve que la CDA était innocente. Il était prêt à me suivre pour nous parler, alors qu'il savait qu'il risquait sa vie. Mais de quelle preuve est-ce qu'il parlait, au juste ? Oh, alors attendez. Je ne sais pas, il est mort avant de me le dire. Gardez pour Vega. C'est qui Vega? Un message sur un carnet électronique trouvé sur la CDA, c'est codé, mais je crois que c'est un ordre d'activation. Ok. Un message sur un carnet électronique trouvé à la CDA. C'est codé, mais je crois que c'est un ordre d'activation. Qu'est-ce qu'on a trouvé sur Victor Marchenko? J'ai vérifié le nom, mais ça a rien donné. Vous croyez que le message était pour lui? Si quelqu'un à la CDA reçoit ses ordres de gens extérieurs, ça pourrait très bien être lui, oui. Chang pourra peut-être utiliser l'adresse IP de cet email pour remonter jusqu'à sa source. Qu'est-ce qui nous prouve que c'est pas Rucker qui a écrit ce message? Bon, on trouvera peut-être une piste dans ce message. Je vais l'envoyer au cybercrime pour voir ce qu'il trouve sur l'adresse IP. Bon sang, quel bordel! Vous savez que la nouvelle de la mort de Rucker va se répandre, hein? Et là, le directeur de la police m'a promis que Golem allait devenir une véritable zone de guerre. On peut pas se permettre d'en arriver là. J'espère que le plein est fait, Chicane. Parce que vous allez m'emmener. Quant à vous, Jensen... J'ai une affaire à régler, monsieur. Et je sais parfaitement par où commencer. Smiley a largement eu le temps d'analyser le DPN que je lui ai donné. Celui que vous avez rapporté de la gare? Je vais aller voir ce qu'il a trouvé.
et ensuite je verrai bien ce que me disent les preuves. J'ai bien l'intention de traduire en justice les véritables coupables, qu'ils soient augmentés ou non. Alors mettez-vous au travail, avant que toutes les pistes ne refroidissent. Et tenez-moi au courant. On y va, Chicane. Ok, donc voilà, nous allons du coup nous arrêter sur ce petit épisode, j'espère que ça vous aura plu. On se retrouvera donc dans le prochain épisode de Deus Ex Monkey Invade. Donc je vous n'hésitez pas en tout cas à me lâcher un petit commentaire et à liker ce comment... Enfin, liker plutôt. Puis à vous abonner bien sûr si mon petit let's play vous le plaît. En tout cas voilà, donc je vous dis à plus tout le monde.